Frère Chamoyon, aujourd'hui, l'Église mandé une fête faite Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste. Oui, et c'est parce que Jean-Baptiste jouait un rôle qui est pourtant en pile, il était préparé chemin grand Bethléem. Nous-mêmes, c'est ça pour Dieu mandé une fête, préparer chemin grand Bethléem. Et c'est pour nous clairer pour tout le monde qui a dormi en bas pied-bois, en mort, pour nous-mêmes tout, nous prenons pied haut, marcher le chemin qui menait dans le cœur posé. Jean extraordinaire. En premier, parce que il a un appel spécial. Nous songeons qu'il était l'enfant de maman, Sainte Élisabeth, la Vierge Marie paraît, et Jean-Baptiste étant l'enfant de maman, danser à cœur content. Et puis, il passait toute ville à faire jeûne et à la prière dans le désert et à brûler tout le monde converti. Il a dit, oh, parez route pour grand Bethléem. Qui fait que le Jésus paraît, Jésus lui-même qui peut demander tout le monde baptisé, demander Saint Jean baptisé pour nos papas petites là et avec l'Esprit Saint. Mais Jean-Baptiste reconnaît qui est Jésus. Il dit, c'est lui-même qui bouton mon Dieu là. Oui, que c'est Jean-Baptiste en premier qui indiquait Jésus dans le mouton bon Dieu, c'est-à-dire mon Dieu pourra le sacrifier, mais qui pourra faire nous tourner bien avec mon Dieu encore. Donc, le Jean-Baptiste baptisait Jésus, il dit une belle parole qui montrait son cœur. Il dit c'est lui pour grand qui pour grandir, mais même fait pour me disparaître. Jean-Baptiste Campé est un coup premier martyr. Et c'est peut-être ça que je parle. Le fin coupé tête, Jésus pral dit dans tout le monde qui j'en fait sautille en tant que femme, par yon qui grand, tant que Jean-Baptiste. Alla, on belle leçon, alla, on bel compliment, Jean-Baptiste joigne la main Jésus. Je ne pas besoin de saisir ce pays, tant que Portugal, tant que Porto Rico, et puis Canada français. Choisis Jean-Baptiste, tant que patron. Jean-Baptiste, son champion dans la foi. Il croit dans Jésus. Il croit que Jésus, c'est mon temps, mon Dieu. C'est Jésus qui a sauvé l'humanité. Et il m'a dit pour nous repentir. Nous tous qui avons tendance, il était couché en bas l'ombre, il fait noir. L'occasion faite, Jean-Baptiste, on sautille en fait noir, on demande baptême, on vit en communion avec Jésus, sauveur. Amen. Today, the church, instead of celebrating the 12th Sunday in ordinary time, calls us to celebrate the feast of St. John the Baptist. The church, it's because of the tremendous role John played in preparing the way of the Lord. We too, by our words and example, must be intent on proclaiming the Savior to a world that's still dwelling in the shadow of death to guide their feet into the way of peace. John is outstanding first because of his special calling. He was blessed from his mother's womb when Mary visited Elizabeth, his mother, and then throughout his life, John proved faithful to his sublime mission. He led a very severe and austere life in the desert, showing us the value of prayer and discipline, indispensable ingredients of all genuine holiness. He's the first one to point Jesus as the Lamb of God, the announced Messiah destined to be slaughtered in sacrifice for the sins of the world. That proclamation turned him into the first-class herald of the good news. Jesus, the founder of baptism, requests John to baptize him. Yet John remained humble, saying, he must increase, I must decrease. He also stands as the first martyr. He was beheaded because of an unflinching profession of faith. No wonder Jesus said of him, of all born from women, no one is greater than John the Baptist. No wonder that Portugal chose him as its national patron saint. Puerto Rico and the province of Quebec
also chose him as their land's special protector. John the Baptist stands as a great champion of the faith, one blessed by God significantly. We must honor his memory, thank God for the witness he gave, and seek his intercession. Saint John the Baptist prayed for us. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Jean Baptiste. Comment ne pas l'aimer? Il fut béni de Dieu dès le sein de sa mère, et quand la Vierge Marie visita Élisabeth, choisie spécialement par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur, il se rendit au désert pour prier et jeûner. Son exemple nous éclaire. Avant de se lancer en mission, on doit beaucoup prier et acquérir les vertus essentielles d'humilité et de discipline. On doit s'assurer que le message que l'on porte sorte de lèvres sincères et authentiques. Jésus vint le rejoindre et demanda d'être baptisé par lui. Devant un tel hommage, le précurseur se soumit en reconnaissant son indignité, s'écriant « Voici l'agneau de Dieu !» Ainsi, il présenta Jésus comme le Messie attendu et annoncé, destiné à être immolé pour le salut du monde. Et avec humilité, il ajoutera « Il doit grandir et moi diminuer. » Jean-Baptiste, par sa prédication musclée, s'attira une foule de disciples qu'il appela à la conversion du cœur pour ensuite le diriger vers Jésus. Plusieurs de ses disciples devinrent des apôtres de Jésus. Ces appels à la conversion dérangèrent des pharisiens au cœur dur qui complétèrent pour le faire condamner à mort. C'est ainsi que Jean fut décapité sans rien changer à son discours. Il se dresse donc comme un courageux martyr de la foi. Il brille comme un héros de l'Église que nous ne devons jamais cesser d'honorer et d'imiter. Nous aussi préparons les chemins du Seigneur, guidons les pas de ceux-là qui vivent dans les ténèbres, guidons-les sur les chemins de la paix. Que Dieu vous bénisse.